Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des vidéos d'origine de Draenor avec la partie 2 cette fois-ci consacrée aux Arakoa et la montée en puissance de la civilisation Arakoa. Nous avions vu dans le premier épisode de l'origine de Draenor tout simplement la lutte entre les briseurs, donc la lignée de Gronde, les colosses face aux primordiaux, donc le Lassie, les hommes plantes en gros, hein, les créatures végétales de Draenor. Et au final, nous avions vu, eh bien, dans ces vidéos annexes de Warlord of Draenor, eh bien, que petit à petit, avec la lutte entre les briseurs et les primordiaux, les deux se sont affaiblis. Et cela a relâché. Les mégaspores ont été vaincus, Gronde a été vaincu, les colosses, une bonne partie des colosses ont été vaincus et sont en pleine dégénérescence. Et ce qui fait, eh bien, que cela va libérer une pression écologique exercée par justement ces êtres gigantesques qui vont, et eh bien, parce qu'on le rappelle, hein, les mégaspores notamment vampiriser le coin, et puis bon, bah, les briseurs, c'est des grosses brutes, c'est des gros bourrins, donc ils fracassent un petit peu tout ce qui passe, et au final, et eh bien, ça fait que le fait que les mégaspores aient disparu et que les colosses sont en train de régresser, et eh bien, cela va amener la pression écologique qu'exerçaient ces deux super êtres sur la faune et la flore de Draenor va, eh bien, tout simplement, ça reste bien sûr un grand danger, hein, parce qu'il reste des Genésors, etc. Mais globalement, eh bien, ça va permettre à certaines créatures de trouver un refuge et de leur laisser la possibilité de se développer et d'évoluer avec leur rythme. Et tout simplement, eh bien, c'est notamment l'âge, on va dire, d'or des créatures aviaires, donc des créatures. On va dire des reptiles dinosauriens, hein, c'est-à-dire les oiseaux. Et en l'occurrence, eh bien, c'est notamment l'une des grandes régions de Draenor, la Flèche d'Arrak, hein, la région d'Arrak, qui est connue pour avoir de très grands pics, et notamment très loin de la végétation et des colosses. Ce qui fait, eh bien, qu'ils vont pouvoir se développer tranquillement dans leur coin. Et on va avoir apparaître, avec l'évolution, les premiers êtres sentients aviaires qui vont se développer dans cette zone. Donc ces êtres qui sont au final eh bien, des créatures qui seraient un petit peu semblables aux dieux sauvages d'Azeroth, hein, d'une certaine partie, ça ne veut pas dire que tous les proto, enfin tous les êtres style dieux sauvages ne sont pas que des êtres aviaires. Hein. On a par exemple un grand cas de Draenor, c'est l'esprit du loup, qui est pour le coup lui est pas une créature aérienne, mais c'est vrai que ça va vraiment développer justement les créatures aériennes, puisque eh bien, elles peuvent échapper au contrôle des primordiaux et des briseurs. Et au final, eh bien, on va voir apparaître notamment trois êtres aviaires avec voilà, une pensée, une psychologie, un but, des volontés. On va avoir en premier Rukmar, hein, la grande, la forte et gracieuse Rukmar. On va en reparler un petit peu juste après, qui est la mère des Caliri. On va voir aussi ce que c'est. Nous avons le chétif mais très intelligent Anzu. Et nous avons qui est le père des corvidés, hein, donc toutes les créatures un petit peu corbeaux. Et nous avons, enfin, qui est également le maître des arcanes. Et nous aurons au final, eh bien, Seth, le froid et méprisant Seth, père des serpents des vents, est également un grand manipulateur et également qui contrôle la magie de l'ombre. Alors, attention, c'est plus particulièrement le vide, mais c'est un petit peu l'ombre de manière générale. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Globalement, Seth, c'est le maître de la magie noire sous toutes ses formes, parce qu'il y a des trucs qui font très nécromancie, d'autres qui font très, enfin presque démoniaque aussi, un petit peu, même si c'est pas un démon, bien entendu. Et beaucoup, enfin, disons qu'il fait un mix de tout ce qui est magie noire, magie du sang, etc. C'est un vaste bordel. Donc, magie noire sera plus simple de manière générale. Au final, on va se concentrer sur Rukmar, qui a été plus particulièrement touchée par la force primordiale de la lumière. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, elle a un lien avec cette énergie qui lui permet d'invoquer des flammes enchantées qui vont pouvoir à la fois nourrir la vie,
mais également la consommer. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est une énergie lumineuse qui est très proche. Alors, c'est la lumière avec un grand L en tant que force cosmique, mais au final, ça ressemble beaucoup à l'énergie solaire, puisque on va vraiment avoir l'idée de cette source de vie, mais qui peut détruire, qui peut incinérer, qui peut brûler. Et évidemment, elle va avoir un rôle très important dans la lutte contre les briseurs et les primordiales, parce qu'utiliser le pouvoir du soleil, eh ben, ça va être très efficace contre des plantes, bien entendu. Donc, généralement, on l'associe vraiment au soleil, et en l'occurrence, eh bien, on aura au final de tous ces êtres, seul Hanzo va vraiment rêver d'un monde meilleur pour lui et ses frères et sœurs. Et en l'occurrence, eh bien, c'est tout ce qui l'importe en fait. Hein. Là, les autres ont trouvé un refuge, etc. Mais en fait, Hanzo veut développer ce refuge et en faire un véritable sanctuaire pour les êtres à plumes, donc pour tous les êtres venant de tous les horizons, qu'ils soient d'Arrak ou d'ailleurs. Et en l'occurrence, eh bien, ce sanctuaire serait justement la grande flèche d'Arrak, donc cette espèce d'immense pic rocheux. Et là, eh bien, il va demander l'aide de Rukmar et de Seth, hein, qui ont, on va dire de manière générale, su tenir à distance les briseurs et les primordiaux, parce qu'il y en avait encore dans la flèche d'Arrak, c'est juste qu'il y en avait moins. Et au final, eh bien, Hanzo se dit qu'on pourrait étendre les frontières pour faire en sorte d'Arrak un lieu de paix. Voilà le principe du sanctuaire Avia. Et au final, eh bien, en unissant leurs forces, Seth, Hanzo et Rukmar, eh bien, vont réussir finalement à repousser les briseurs et les primordiaux et créer cette espèce de ligne de démarcation que vous voyez hein, sur la carte, bien entendu, avec les briseurs et les primordiaux. J'en ai déjà un petit peu critiqué cette carte, mais pour le coup, la flèche d'Arrak, et pas les flèches d'Arrak, hein, on y reviendra après, la flèche d'Arrak, du coup, sera vraiment, tout l'autour de la flèche d'Arrak sera vraiment justement, comme on le disait, cette espèce de réserve naturelle d'ornithologie, cette réserve naturelle d'oiseaux. Et au final, eh bien, ça va fonctionner. Ils vont repousser les briseurs et les primordiaux. Et Rukmar, qui a quand même été très efficace hein, dans la lutte contre les primordiaux notamment, mais aussi les briseurs, eh bien, va se lier davantage aux Caliri, ces espèces de petits oiseaux que vous voyez qui ressemblent un mélange entre des chouettes et des aigles dans l'idée. Eh bien, c'est tout simplement ces Caliri avec lesquels elle va passer le plus de temps, notamment en haut de la flèche d'Arrak, tout sur son pic. Le plus haut, et au final, eh bien, en se mettant là, elle peut capter plus facilement les énergies du soleil auxquelles elle est vraiment très très liée. Donc, en étant en haut, en ayant cette responsabilité de la victoire au final des sortes de dieux sauvages, eh bien, elle va devenir de plus en plus arrogante, hein, trônant vraiment au niveau de la flèche d'Arrak. Elle considère qu'Arrak est son domaine et qu'elle en est la reine. Elle s'imagine au-dessus de tout, hein, tout en haut de sa flèche, en haut de son trône, hein, entre guillemets, et elle se considère être l'incarnation de la grâce et de la beauté. Ce qui fait qu'elle prend de haut les deux autres dieux sauvages, à savoir Seth et Hanzo, et il y en a un des deux qui le prend vraiment très mal, c'est Seth. Puisqu'il est directement victime des railleries de Rukmar, hein, globalement elle est en haut, elle le toise, etc. Et au final, eh bien Seth, il le prend très mal, surtout que bon, c'est pas le mec le plus sain d'esprit, puisque il est pétri de magie noire, donc forcément, eh bien avec le temps, au fil des siècles, etc., il va devenir très très envieux de Rukmar et commence à se dire, eh bien que potentiellement un jour elle pourrait se retourner contre Hanzo et lui. Du coup, Seth sait que ça va être compliqué d'intervenir contre Rukmar sans Hanzo. Il va du coup essayer de convaincre ce dernier hein, de l'aider à tuer ou en tout cas au minimum, on va dire, enfermer Rukmar et faire en sorte que Rukmar ne nuise pas, ne soit plus en possibilité de nuire. Et finalement, eh bien, le problème c'est que Seth il va avoir un petit souci, c'est qu'il ne sait pas qu'Hanzo est secrètement amoureux de Rukmar, mais Hanzo n'a jamais osé voir Rukmar parce que les railleries ont fait effet et au final, Hanzo. Il est très timide à ce niveau-là et il n'ose pas déclarer sa flamme, sans mauvais jeu de mots, à Rukmar. Et donc, Hanzo va entendre et va écouter les paroles de Seth, mais ne va pas vouloir intervenir. Et en l'occurrence, on pourrait se dire, bon bah c'est pas grave, il reste de côté, ça fera un contre un et Seth a l'avantage, aura l'initiative et du coup il aura l'effet de surprise. Mais non, parce que Hanzo étant amoureux de Rukmar, eh bien, il va envoyer un de ses corps vidés pour informer Rukmar des intentions de Seth. Et lorsque Seth frappe, hein, lorsque ce dernier attaque par surprise Rukmar, eh bien, en fait, elle est prête, elle l'attendait, et elle va même d'ailleurs
utiliser sa meilleure arme contre Seth, c'est-à-dire que elle l'a toujours toisé en prenant la hauteur, et ça c'est presque l'ironie ou justement au contraire la meilleure incarnation de cette situation, c'est-à-dire que Rukmar qui trônait en haut de la flèche d'Arrak prenait de haut et Anzu et Seth qui était vraiment tout en bas. Et lors de leur duel, eh bien c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que Seth arrive en haut du pic et Rukmar va encore prendre de la hauteur, se positionnant juste devant le soleil, ce qui fait que quand Seth va regarder Rukmar dans les yeux, eh bien pouf, il va prendre le soleil en pleine tête, ce qui va l'éblouir, et justement c'était l'objectif de Rukmar puisque elle va frapper à ce moment-là, elle va s'abattre du ciel et fendre tel un fouet les airs, ce qui va repousser et repousser extrêmement violemment Seth, qui va être catapulté en contrebas sur la flèche d'Arrak. Et à ce moment-là, eh bien, sous l'effet de choc du tel un météore qui tombe du ciel, eh bien, cela va briser la flèche. Et à partir de ce moment-là, la flèche d'Arrak sera la flèche brisée d'Arrak, ce qui va, eh bien, complètement sonner Seth, qui va tomber complètement en contrebas. Et Hanzo, eh bien, va choisir ce moment pour intervenir, puisque encore une fois, il se tenait à distance intelligemment, mais il est malgré tout conscient que la haine de Seth ne va faire que grandir, et donc, eh bien, il faut mettre fin à ses agissements. Et en l'occurrence, au moment où il le coince sous ses serres, Seth va se sentant trahi, va lancer une malédiction à Hanzu, et je vais vous la citer, cette malédiction. C'est tout simplement: son sang noircira la mer jusqu'à ce qu'il soit épais, aussi épais que du goudron, et sa chair se décomposera jusqu'à ce que le ciel pourrisse avec elle, elle étant évidemment Rukmar. Hanzu répond à ce moment-là, eh bien que pas de problème. Si ta malédiction concerne le sang et la chair, eh bien il n'y aura plus de chair ni de sang. Et il va commencer à dévorer Seth. Le truc, c'est qu'il va le dévorer entièrement, tel un rapace qui se nourrit du serpent. Et au final, eh bien, malheureusement, il va laisser un mince filet de sang de Seth couler le long de son bec, qui va descendre en contrebas et qui formera en fait le creux de Sétek, qui est le cœur de la malédiction, là où le sang de Seth s'est versé. Et ce qui va au final créer justement un lieu extrêmement maudit, les creux de Sétek. Mais comme il vient de mourir, eh bien, la corruption va s'étendre en dehors du creux de Sétek. Et en plus de ça, eh bien, Hanzo va sentir petit à petit l'effet de la malédiction sur lui-même, puisqu'il va sentir la haine de Seth, le ravager, l'attaquer mentalement, hein. Vraiment, il va sentir toute la haine que Seth exerçait à l'égard de Rukmar, mais surtout, comme il s'est senti trahi aussi à l'égard d'Hanzo. Et au final, son corps va se contorsionner, se déformer, tel. Vraiment, il va perdre complètement, son squelette va se recomposer, ce qui va le rendre incapable de voler. Et au final, déjà qu'Anzu, il n'avait pas une piètre opinion de lui-même à cause notamment des railleries de Rukmar, là maintenant il n'est que l'ombre, son mauvais jeu de mots de lui-même. Donc forcément, eh bien, il est très atteint psychologiquement et il va se cacher de sa bien-aimée, puisqu'il considère que maintenant il n'est pas digne de la voir et de la regarder, de la contempler. Il a honte de son échec, il a honte d'avoir perdu, et donc au final, eh bien, il va se cacher, sachant que maintenant qu'il est pas possédé, mais qu'entre guillemets il a récupéré les essences de Seth, eh bien, il était déjà un maître de la magie arcanique. Là maintenant, eh bien, il a réussi aussi à devenir un maître de la magie noire, puisqu'il va pouvoir contrôler et les deux. Alors, magie arcanique, magie noire, c'est souvent très très proche de toute façon et très lié, étant l'opposé et pourtant si proche, puisque l'un est une plateforme, enfin, j'ai envie de dire, est une passerelle vers l'autre. Donc au final, eh bien, il va utiliser cette magie noire pour se cacher dans un royaume d'ombre en fait, hein, qui est une espèce de poche dimensionnelle de l'ombre autour de Draenor, et il va se cacher là-dedans, il va tisser ce sort pour pouvoir échapper au regard de Rukmar, puisque Rukmar, eh bien, elle est infiniment reconnaissante, hein. Sans l'aide d'Anzu, elle serait probablement morte, elle aurait succombé. Et au final, eh bien, ça lui a fait un petit coup à son ego. Elle se rend compte à quel point elle a été méprisante à l'égard d'Anzu, et elle veut le remercier. Elle veut le remercier, et elle va passer beaucoup de temps à chercher Anzu, mais ce dernier ne répondra pas à son appel, puisqu'encore une fois, il se sent indigne aux yeux de sa bien-aimée. Donc, eh bien, Rukmar va désespérer à l'idée de chercher Anzu, et à un moment donné, eh bien, en fait, elle se rend compte qu'à côté, pendant qu'elle cherche Anzu, hein, ça se passe sur des dizaines d'années, voire peut-être même plus. Au final, eh bien, elle se rend compte qu'elle ne peut plus attendre, et que Hanzo est peut-être mort en fait, hein, justement à cause du sang de Seth, qui l'aurait tué à petit feu, puisque
En parallèle, Arak est en train de plonger dans l'obscurité au creux de Setek et la corruption du sang de Set qui s'étend sur les flèches, sur la flèche d'Arak, pardon. Et au final, eh bien, du coup, c'est à contre-cœur, eh bien, que Rukmar va fuir Arak le temps que l'obscurité, enfin, le temps du règne de l'obscurité, puisqu'elle sait que comme Set est mort, ça va pas durer éternellement. Il y aura toujours, bien sûr, l'endroit, le creux de Setek qui restera indéfiniment corrompu, mais le reste, c'est parce que c'est récent et avec le temps, eh bien, ça devrait, on va dire, se réduire. Et donc, eh bien, le temps que cela arrive, elle va choisir un autre endroit très profondément marqué par le soleil. Elle va fuir vers Gorgrond, une autre zone, un autre endroit de soleil, on va dire, baigné par le soleil de Draenor. Et c'est là qu'elle se dit qu'elle va faire quelque chose en hommage à Anzu. Elle va créer une race qui correspond à sa propre vision des choses et aussi à celle d'Anzu, à savoir les Arakoa. Les Arakoa, le nom, c'est tout simplement, en gros, les héritiers d'Arak, hein, donc les enfants d'Arak, qui vont avoir d'un côté on va dire les essences, l'essence de Rukmar, et d'un autre côté l'essence d'Anzu, puisque au final, comme eh bien les Khaleesi ayant suivi Rukmar, elle va honorer le sacrifice d'Anzu, ce qu'elle considère être le sacrifice d'Anzu, en utilisant ses propres énergies vitales pour justement infuser les Arakoa de son pouvoir lumineux et de sa clairvoyance, de ses connaissances, de sa force, de aussi sa grâce, etc., de sa beauté. Et en même temps, elle va infuser les Arakoa du pouvoir d'Anzu pour qu'ils aient l'intelligence et l'ingéniosité du corps vidé. Le truc, c'est que ça, c'est un point qui est un peu étonnant parce qu'on ne sait pas exactement comment elle a infusé les Arakoa du pouvoir d'Anzu vu qu'Anzu n'est pas là. Malheureusement, c'est un petit peu le point noir de l'histoire des Arakoa, c'est que au final, on a un vide un petit peu scénaristique là-dedans. Alors que ça serait très facile à justifier, malheureusement Blizzard ne l'a pas fait, mais par exemple dire que lors de la phase où Rukmar commence à prendre un petit peu la grosse tête, Anzu lui aurait, étant amoureux mais n'osant pas avouer son amour, n'osant pas déclarer sa flamme, lui aurait offert un bijou dans lequel il aurait infusé de son propre pouvoir pour lui montrer à quel point il tient à elle. Elle aurait pas compris le message en croyant que c'est juste une babiole pour honorer sa majesté. Finalement, avec le sacrifice d'Anzu, elle se rend compte de la valeur de ce cadeau et elle utilise justement ce cadeau pour pouvoir infuser les Arakoa du pouvoir d'Anzu. Et petit à petit, bah, je sais pas pourquoi pas lier ça avec l'œil d'Anzu qui sera en fait cette relique de l'ancien temps. Enfin, il y avait des trucs à faire, malheureusement Blizzard ne l'a pas fait et c'est bien dommage parce que bah, c'est quand même un des gros vides scénaristiques du lore Arakoa à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, eh bien, Rukmar considère que les Arakoa, comme en tant qu'héritiers d'Arak, retrouveront un jour Arak, que c'est juste temporaire le temps de retrouver Arak, puisque pour le moment toujours baigné dans l'obscurité, mais c'est qu'une question de temps, un jour ils pourront réclamer leur héritage. Et au final, eh bien, pendant des générations, Rukmar va surveiller le développement de ses protégés, hein, de ses enfants, venant de temps en temps pour commémorer la mémoire d'Anzu, mais aussi notamment en faisant en sorte que l'apprentissage des arcanes et de la magie puisse être enseigné et se suivre tel qu'Anzu l'avait défini par le passé. Et en l'occurrence, elle rappellera aussi lors de ces moments, lors de ces réunions avec ses enfants, l'avertissement concernant les puissances de Set, et le fait que Set puisse corrompre les Arakoa comme il l'avait fait avec Anzu. Et elle leur apprend, la lumière aussi, hein, l'apprentissage de la magie, de la lumière. Donc ce qui fait que Rukmar va devenir, aux yeux des Arakoa, la déesse du soleil, alors qu'Anzu sera le dieu de la nuit. Il est caché, hein, on ne le voit pas, et reste le dieu de la nuit pour les Arakoa. Et ce qui est assez intéressant, parce que avant, en fait, nous n'avions pas vraiment, on n'a pas de date, on n'a pas de chronologie établie pour ce qui est de Draenor, notamment, enfin, tout le règne des trois dieux sauvages, puis ensuite le départ de Rukmar en Gorgrond. Mais en l'occurrence, ce qu'on sait, c'est tout simplement eh bien, qu'à 3000 avant l'ouverture de la Porte des Ténèbres, donc en moins 3000, eh bien, Rukmar sent que sa vie,
s'éteint en infusant, en créant les Arakawa. Elle a utilisé énormément de son essence vitale et de son énergie vitale. Donc elle savait que son plus grand regret serait probablement de ne jamais voir les Arakawa regagner le foyer d'Arak. Et donc, eh bien, sentant justement sa vie s'éteindre, elle intime ses enfants de repartir réclamer leur héritage, la flèche brisée d'Arak, sachant que elle espère qu'ils puissent être à la hauteur de la mémoire d'Anzu et de sa propre mémoire. Ce qui fait que le dernier cadeau aux yeux des Arakawa que Rukmar va faire, c'est qu'elle va s'éteindre sous une espèce de zénith complet, une espèce d'éblouissement complet du soleil, puisqu'elle va mourir tel un phénix. Elle va mourir dans une espèce d'immense explosion de lumière qui sera considérée comme un signe d'ascension pour les Arakawa et le symbole de leur héritage, c'est-à-dire la récupération de la flèche d'Arak, et les Arakawa vont avoir à cœur justement de faire en sorte que leur civilisation rende honneur à leur déesse qui s'est sacrifiée pour leur permettre d'accéder à la flèche d'Arak. Et le fait justement, eh bien, d'avoir tout simplement donc une civilisation avec la déesse de la lumière et le dieu de la nuit, qui vont être le cœur de la société Arakawa, eh bien, ils vont commencer à avoir un petit peu l'arrogance de Rukmar, c'est-à-dire qu'ils vont se dire qu'ils sont au-dessus des autres races de Draenor, puisqu'ils ont été choisis par les dieux, et ils prendront du coup, eh bien, le nom d'Apogide. Et c'est à partir de là qu'on va parler de la civilisation. Depuis tout à l'heure, je parle de civilisation Arakawa sans détailler le nom, puisque vers A-3000, eh bien, quand ils récupèrent Arak, ils vont porter le nom d'Apogide ou d'Apexis. J'aime beaucoup le nom en VO, puisque enfin, Apexis, en fait, on aurait pu même ne pas le traduire, puisque les deux sont intéressants, les deux ont une idée à véhiculer, qui est assez proche, mais qui n'est pas tout à fait la même. Apogide, c'est l'idée de l'apogée, l'idée d'être en haut, ce qui marche très bien avec le côté soleil, etc. Mais en fait, Apexis, on a une autre orientation qui est apex. Apex, je crois que c'est du latin. Je sais plus si c'est du grec ou du latin, mais je crois que c'est du latin. Apex, c'est tout simplement ce qui est, en gros, le sommet de la chaîne alimentaire. Donc en vrai, le super prédateur en fait de Draenor. Dans l'idée, ce serait ça. Apex égale le super prédateur de Draenor, celui qui est au-dessus dans la chaîne alimentaire, qui est le roi un petit peu. Et ça marche très bien parce qu'il considère que grâce à Rukmar et au cadeau de Rukmar et d'Anzu, eh bien ils sont au-dessus et ils vont revendiquer donc les sommets d'Arak en créant eh bien des bâtiments gigantesques, une sorte de super perchoir, hein, de perchoir gigantesque qui sera le cœur de la civilisation Apogide. Et au final, eh bien ils vont bâtir d'immenses structures dorées dans les montagnes, avoir des réseaux aussi de grottes, etc., dans lesquelles ils vont miner des cristaux et autres, pour justement eh bien mettre la lumière qui deviendra le cœur de leur civilisation, puisqu'Arak est baigné de lumière. Et en l'occurrence, eh bien ils vont utiliser d'immenses miroirs, d'immenses cristaux et des lanternes enchantées afin d'avoir un effet de réfraction de la lumière pour justement eh bien rediriger la lumière un peu partout dans leur société. La lumière a vraiment une place centrale dans la civilisation Arakoa. Et le fait qu'on joue avec la lumière, eh bien ça crée aussi des zones d'ombre. Encore une fois, l'idée que le cœur de leur civilisation, c'est la lumière de Rukmar et l'obscurité d'Anzu. Donc à ce niveau-là, eh bien on va avoir vraiment un développement croissant au sein de la flèche d'Arak. On va commencer à avoir une espèce de conquête de tout Arak par les Arakoa. Et ils vont être assez curieux d'ailleurs du destin d'Anzu. Anzu qui a été, même s'ils ne l'ont jamais vu, eh bien on leur a beaucoup, enfin Rukmar leur a beaucoup beaucoup parlé d'Anzu. Donc au final, eh bien, maintenant qu'ils sont sur la flèche d'Arak, ils vont se dire: tiens, ça serait intéressant d'essayer de chercher nous aussi. Rukmar, notre déesse, n'a pas réussi à trouver Anzu, mais on pourrait essayer de chercher. Donc ils vont essayer de trouver Anzu et à un moment donné, ils vont tomber sur le creux de Setek. Creux absolument maudit, évidemment, et dont Rukmar leur avait pris garde toujours de faire attention à cet endroit qui était maudit. Et ils vont, eh bien, prendre des mesures de sécurité, mais ils vont étudier justement les mystères de la magie noire des creux de Setek, grâce à leurs connaissances arcaniques héritées d'Anzu. Et en finalement pouvant combiner justement énergie arcanique et magie noire, eh bien ils vont incarner en fait l'obscurité qui a un but, on va dire, sain et un objectif noble, qui est de soutenir la civilisation Arakoa. On va avoir encore une fois la civilisation lumière, obscurité. Et les Apogides vont d'ailleurs, eh bien, réaliser ça aussi d'un niveau. Alors c'est déjà dans leur mythe et dans leur croyance, mais on va avoir ça aussi au niveau de l'ordre social, ou même l'ordre sociétal, j'ai envie de dire, puisque, eh bien,
les Arakoa, les Apogides, vont se diviser en deux groupes. Nous aurons d'un côté l'ordre d'Anar, qui est globalement les prêtres de Rukmar, qui vont être les magiciens de lumière. Et de l'autre, nous aurons l'ordre de Skalax. L'ordre de Skalax, c'est tout simplement les prêtres d'Anzu, qui vont manier la magie noire et la magie des arcanes. Ces deux groupes étant égaux et occupant les hautes sphères de la société Apexis, donc on a une sorte de Sénat, si vous imaginez, pour dans les hautes sphères de la société Apogide, avec eh bien, un nombre égal d'Anari et de Skalaxi. Je ne sais même pas si c'est vraiment Skalaxi d'ailleurs, mais en tout cas de serviteurs de Skalax et de serviteurs d'Anar. Et ça, c'est assez intéressant puisque vraiment, on a ce côté un peu yin et yang. Vous savez, le yin yang, généralement, on dit que c'est la lumière contre l'obscurité, alors que c'est pas ça. Le yin et le yang, c'est l'équilibre. C'est un ordre avec, on va dire, l'obscurité, le noir qui aurait justement une sphère blanche pour montrer le côté positif, et d'un autre côté, la lumière avec une partie justement noire pour montrer justement que l'un est intrinsèquement lié à l'autre et que on va avoir cette dynamique de cercle vertueux, d'équilibre, l'un améliorant l'autre, et donc c'est l'équilibre naturel des choses. Et c'est exactement ça en fait dans la société Apexis, l'idée que les prêtres d'Anar et l'ordre de Skalax vont avoir un rôle dans la société et doivent être égaux pour justement faire monter la société Apogide. Et au final, eh bien, c'est justement ce que ça va amener, l'âge d'or des Apogides, qui vont eh bien, commencer à aller plus loin que la flèche brisée d'Arak et vont commencer à redécouvrir aussi l'extérieur de Draenor, puisqu'ils avaient, en s'installant en Flèche d'Arak, ils avaient évidemment parcouru Draenor, mais là ils vont eh bien, revoir un petit peu et étudier, cartographier tout ça, vraiment toute une phase d'exploration de Draenor. Et en l'occurrence, eh bien, ils vont découvrir les vestiges d'anciennes créatures, notamment les corps des colosses, mais aussi les restes des mégaspores, et ils vont ainsi comprendre les liens entre les géants d'autrefois, les légendes que Rukmar leur avait racontées, avec, eh bien, le lien des briseurs et des primordiaux actuels. Donc ils vont faire le lien entre par exemple les Genésors et les Botanies surtout, vis-à-vis des Mégaspores et les Grones, les Magnarons, par rapport en fait aux Colosses. Et ils vont comprendre en fait que bah, justement ce sont les descendants de ces géants d'autrefois, et ils vont avoir vraiment pitié de ces créatures, mais c'est vraiment un pitié teinté de mépris vraiment, puisque encore une fois ils vont avoir l'arrogance de Rukmar et se sentir au-dessus de ces créatures. Et on a encore une fois cette idée d'Apexis, puisque leur civilisation est en pleine bourre, hein, et c'est vraiment, on est dans l'âge d'or de la société Arakoa. Donc pour eux en fait, ce qui est à côté, c'est vraiment, ce qui est vraiment pas terrible. Et du coup ils se refuseront d'intervenir dans la lutte infini entre les briseurs et les primordiaux, qui ont continué de leur dégénérescence en parallèle. Il faut vraiment imaginer qu'en parallèle, eh bien, il y a de moins en moins de Genésors qui deviennent extrêmement rares, et même les Magnarons sont aussi de plus en plus ne sont plus qu'une poignée, et au final on a vraiment la dégénérescence complète des briseurs et des primordiaux. Donc pour eux c'est juste, ils refusent d'intervenir dans ce combat. Et ils les prennent vraiment de haut, en mode regardez-les ces aptères, hein, les sans-ailes, regardez à quel point ils sont ridicules, ils sont pitoyables. Et au final, eh bien, le temps passe, et 1000 ans plus tard, donc en moins de 1000 avant l'ouverture de la Porte des Ténèbres, moins de 1000 tout court, hein, eh bien, la montée en puissance des Arakoa, je vais juste, petite parenthèse, on fera probablement, en fait, en préparant cette vidéo avec Evanessor, hein, qui m'a beaucoup aidé pour cette vidéo, n'hésitez pas à aller le voir dans les commentaires, tout ça. Vous avez les playlists aussi sur World of Draenor, bien sûr. On s'est dit qu'on allait peut-être faire une généalogie sur Draenor. Alors il y a des petits soucis sur la fin puisqu'on intègre beaucoup de World of Draenor, mais là, on en reparlera, hein, le lien World of Draenor et notre Draenor, hein, des fois c'est alternatif, ça ne l'est pas, tout ça. Là en l'occurrence c'est l'histoire de notre Draenor qui a été écrite à l'époque de World of Draenor. Et en l'occurrence, eh bien, on s'est dit que ça serait intéressant de faire une généalogie parce que bah, au final on a pas mal de... Enfin, pas une généalogie, pardon, une chronologie, puisque on a pas mal de points en fait pour pouvoir faire une chronologie qui permette d'avoir une meilleure idée de ce qui se passe sur Draenor. Donc en parallèle, encore une fois en vidéo annexe de WoW, on fera ça. Donc ne vous en faites pas si vous vous sentez perdu, il y aura avec le temps une chronologie. Et en l'occurrence, donc en moins de 1000 avant l'ouverture de la Porte des Ténèbres, la montée en puissance des Arakoa va commencer à alerter certains des primordiaux, donc les plantes, hein, le Lassie. Et au final, eh bien, il y a un primordial en particulier qui va se dire que les Arakoa sont
est une menace, hein, l'ordre, enfin la civilisation Apogide est une menace. C'est en l'occurrence un ancien arbre, Gnarlgar, qui possède donc les pouvoirs de l'élément de l'esprit et surtout les pouvoirs de la nature, hein, l'un va avec l'autre. Il connaissait justement les secrets des mégaspores et des génésores qu'il va transmettre aux botaniques parce qu'il se rend compte qu'en fait la magie des Arakoa pouvait corrompre ou réduire en poussière la nature, forcément, hein, avec Rukmar, les pouvoirs de Rukmar, etc. Le soleil, ça peut faire pousser les plantes, c'est vrai, mais ça peut aussi les cramer. Et du coup, ils se disent que eh bien, de tels êtres ne devraient pas pouvoir avoir ce pouvoir. Donc, eh bien, il se dit qu'il va commencer à créer une armée autour de lui en mode les gars, les briseurs, c'est bien mignon, notre combat contre eux, tout ça, mais il y a une nouvelle menace qui ne rigole pas du tout. Et il veut concentrer ses efforts contre eux. Il va donc utiliser une ancienne relique primordiale, à savoir une racine de Botan, pour lier des milliers d'arbres à sa conscience. De plus, il assemble une armée de botaniques qui vont alimenter de nouveaux Génésors dans leur bassin, afin justement de relancer un petit peu la guerre avec des botaniques qui amènent des Génésors. Les Génésors, c'est des êtres divins primordiaux, donc ça rigole pas. Donc là, vraiment, on a la construction d'une armée complète. Et au final, l'agitation des primordiaux, d'ailleurs, est sous-estimée par les Apogides, parce que leur cible, ils voient bien que ça commence à monter en puissance, mais ils sentent qu'il y a des choses qui se passent. Mais en l'occurrence, pour eux, c'est juste une armée qui est composée, constituée pour aller défier en guerre, comme d'habitude, les briseurs. Sauf que petit à petit, la forêt se veut de plus en plus envahissante. La montée en puissance du lacis, hein, des primordiaux, fait que eh bien, la forêt, en effet passif, en fait, va s'infiltrer de plus en plus sur Arrak. Et au final, ça commence à alerter un peu plus la civilisation Apogide, qui va envoyer des éclaireurs. Et parmi, on va dire, les centaines d'éclaireurs dépêchés à la prise d'information, eh bien, il n'y en a que quelques-uns, une poignée, qui vont revenir et qui vont alarmer, qui vont avoir des nouvelles vraiment très très alarmantes, de terribles nouvelles, puisque le message, c'est les primordiaux sont en train de créer une nouvelle mégaspore, à savoir Tala. Mégaspore, c'est le cauchemar de tout ce que Rukmar a pu. Enfin, de toutes les nouvelles, de toutes les informations qu'ont pu glaner les Arakoa par leur dieu. Eh bien, c'est vrai qu'une mégaspore, c'est vraiment justement les géants d'autrefois qui faisaient en sorte que la nature ne pouvait. Enfin, les animaux ne pouvaient s'épanouir. Et donc, eh bien, les Arakoa comprennent que, attention, la création d'une mégaspore, ça veut dire la fin de leur civilisation, en fait. Ils sont vraiment très très conscients de ça. Au départ, ils sous-estimaient, mais finalement, eh bien, devant l'urgence de la situation, le destin de leur race est en jeu. Et à ce moment-là, eh bien, les Anari et les Skalaxies vont mettre en place une armée d'invasion. Armée aérienne chargée justement de détruire la mégaspore en gestation, puisque le reste, on s'en fout, c'est vraiment la mégaspore qui pose problème et qui effraie les plus hautes sphères de la civilisation Apexis. Et justement, eh bien, donc on peut imaginer une gigantesque armée d'Arakoa, donc une armée aérienne qui va, tel un essaim en fait, qui va s'envoler et qui va partir à la guerre pour justement détruire cette mégaspore. Sauf que Gnarlgar savait un petit peu à quoi s'attendre, hein, forcément, il affronte des êtres volants, donc il savait un peu à quoi s'attendre et il va entrer en transe afin de défendre la mégaspore, justement, afin de défendre Tala. Et en l'occurrence, eh bien, il va l'esprit collectif de la Mégaspore fait qu'ils vont pouvoir, enfin, pardon, pas de la Mégaspore, de Gnarlgar, qui est connecté avec toute la végétation environnante, va eh bien, pouvoir faire une défense très efficace. Et près de la moitié de la force d'invasion fut anéantie. C'est un véritable carnage. Et à ce moment-là, eh bien, il y a une vraie remise en question au sein de la société Apogite. Comment on fait? Comment on fait? On n'a pas le choix, on a été repoussé, certes, mais il faut absolument détruire cette Mégaspore, sinon on va tous y passer, en fait. Et donc les Anari vont proposer la création d'une sorte de super arme, une arme magique qui serait capable de défier, de détruire la Mégaspore une bonne fois pour toutes,
en canalisant les énergies de Rukma, en canalisant les énergies soleil, du soleil, en canalisant donc un catalyseur qui permettrait de... En fait, c'est une sorte de miroir géant qui s'appelle le souffle de Rukma. Donc, c'est un miroir géant qui va pouvoir canaliser les énergies du soleil, les concentrer à un endroit précis et des effets absolument dévastateurs. Et en l'occurrence, eh bien... Utiliser l'énergie du soleil pour détruire la mégaspore, ça semble être une excellente idée. Le problème, c'est que eh bien, ça va demander beaucoup de préparation. Et il faut du temps. Parce que. Il faut gagner du temps. Parce que sinon, la mégaspore arrive, elle détruit le truc. Enfin, elle détruit l'arme avant qu'elle soit prête. Donc, pour gagner du temps, eh bien, les Scalaxies vont proposer eh bien, de partir en petits groupes. Plutôt que d'avoir une immense armée qui sera très facile à repérer, très facile à préparer en défense et facile à contrer, eh bien les Scalaxies, pour gagner du temps, pour laisser aux Anari le temps de finir le souffle du Rukmar, les Scalaxies, qui je le rappelle sont les prêtres d'Anzu, manient la magie, les magies arcaniques et les magies noires, sont capables de se camoufler un peu plus, s'entourer d'ombre. Et en l'occurrence, ils vont faire ça, partir en petits groupes afin de tuer Gnarlgar, et ainsi fragiliser l'assaut du Lassie, puisque là on a Gnarlgar qui a gagné la bataille, est en train d'alimenter la mégaspore, les Génésors qui avaient été créés par les Botanies se rassemblent, sont en train de se sacrifier pour pouvoir alimenter la mégaspore. Ça prend du temps, et en l'occurrence Gnarlgar lui il est en train d'envoyer tout le reste des Botanies et toute l'armée, puisqu'il va créer toute une armée de petites bestioles, enfin de petites bestioles végétales, et en l'occurrence eh bien il envoie... Il se prépare à... En fait, il masse toutes les troupes au niveau de la frontière d'Arrak. Et pour ce faire, eh bien, du coup, les Scalaxies utilisent justement cette préparation à leur avantage pour pouvoir infiltrer, comme on le disait en petits groupes, les rangs des primordiaux et vont eh bien, atteindre Gnarlgar, qui a senti l'assaut arriver, mais malheureusement trop tard. Il va réussir à tuer les assassins, Gnarlgar, mais les assassins vont pouvoir maudire une bonne fois pour toutes et vont lancer leur magie noire sur Gnarlgar, ce qui fait eh bien qu'il va y avoir match nul hein, globalement. Tous les assassins Arakoa vont y passer, vont mourir, mais pas avant d'avoir mortellement blessé Gnarlgar, ce qui va tuer l'ancien arbre. Et l'arbre va du coup mourir, et comme il est connecté avec tout le Lassie, avec tous les êtres de plantes de la région, eh bien, la mort de Gnarlgar va complètement hébéter l'armée primordiale, ce qui fait eh bien, que les Scalaxies ont réussi, puisque la mort de Gnarlgar va briser l'élan des primordiaux, encore une fois, tous reliés par conscience collective, et j'avais parlé un petit peu de ça vis-à-vis de StarCraft sur la première vidéo, hein, des êtres qui sont tous collectivement connectés, avec des mégaspores, tout ça... Bah là, je suis désolé, mais je suis obligé de faire une parenthèse, hein. Ça fait très 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 StarCraft. Une société, on en reparlera dans la vidéo sur Lord of Draenor, mais une société d'êtres avec certains maniant la lumière, les autres l'ombre, qui vont se cacher dans les ombres en petits groupes et qui vont aller tuer un mec qui est relié en conscience collective aux autres, les tuer va eh bien, tout simplement hébéter le reste de l'armée. C'est les Templiers Noirs qui tuent un Cérébrate, en fait. C'est tout simplement des Templiers Noirs qui tuent un Cérébrate. Et ça, j'avoue qu'on en reparlera, parce que les parallèles entre la société Arakoa et les Protoss, c'est loin d'être terminé. Donc, le temps a été donné par les Scalaxies en tuant Gnarlgar, l'hébétement de l'armée primordiale des végétaux, eh bien, va donner justement le temps nécessaire à la finalisation du souffle de Rukmar. Le souffle Rukmar est terminé, il va pouvoir eh bien, être activé. Il va canaliser les énergies solaires au moment où justement la mégaspore arrivait enfin à naître et à se diriger vers la flèche brisée d'Arrak. Et à ce moment-là, eh bien, l'immense rayon d'énergie de lumière atteint Tala. Tala est carbonisé et en tombant, eh bien, il s'effondre et en tombant, en fait, eh bien, il va y avoir tout un nuage de spores qui va recouvrir une partie de la région qu'on appellera eh bien, tout simplement Talador. Ça c'est un truc d'ailleurs un peu étrange, c'est que si vous regardez en fait les cartes, j'en avais déjà parlé de cette carte mais je le remets, en fait la région s'appelle déjà Talador alors que bah ça n'a aucune raison de s'appeler Talador vu que c'est à ce moment là que la création de Tala que eh bien, la région devrait s'appeler Talador. Et ça dans Chronicle on voit des cartes où c'est marqué Talador alors que bah, Tala n'est pas encore créé, alors que toutes les régions, on a vu Tanan c'est en fonction
de Nahanu, Zangar en fonction de Zang, et Botan en mourant, et bien créé Farallon, tout ça, tout ça. Donc c'est très bizarre, je trouve, ce côté. C'est très bizarre le fait d'avoir des cartes un peu anachroniques qui s'appellent Talador avant que Tala soit créé. C'est très très bizarre, mais en gros, la mort de Tala crée la région de Talador. Et au final, eh bien, les énergies solaires vont également pulvériser tout ce qui était autour de l'Arak, puisqu'ils vont s'en servir pas que pour tuer un Megaspore, ils vont continuer à utiliser l'arme pour flinguer le reste de l'armée qui est en pleine déroute. Hein. Imaginez que leur dieu, hein, puisque pour les botanies, Megaspore, c'est déjà que les Génésors sont des dieux, alors imaginez le Megaspore, c'est le dieu des dieux, quoi. Hein. Et bien, ça... déjà en plus, ils sont reliés par conscience collective, mais en plus, ils voient leur dieu être massacré, donc ça aide pas. Et à ce moment-là, les survivants botanies vont se réfugier au plus profond des forêts, un peu partout où ils peuvent. L'armée est complètement en déroute. Ceux qui avaient déjà commencé à se masser en Arak, eh bien, sont massacrés par les énergies solaires, qui vont d'ailleurs avoir un effet direct sur la zone, c'est que ça va aridifier la flèche d'Arak. Et donc, la défaite va être tellement monstrueuse pour les botanies, ça va être un tel traumatisme que le Lassie, hein, les primordiaux, n'attaqueront plus jamais Arak de l'histoire de Draenor, traumatisés à jamais, hein, véritablement, par cette cuisante défaite. Et à l'inverse, eh bien, les Apogides, les Apexis, vont très bien porter leur nom, puisque là, ça y est, enfin, ils ont pu démontrer qu'ils étaient au-dessus des autres civilisations. Et c'est vraiment l'âge d'or de la civilisation Apogide, puisque des siècles après avoir vaincu les primordiaux, l'Empire Apogide va continuer son développement, et l'arrogance de la victoire sur les Génésors va faire en sorte que... Alors, c'est arrogant, mais c'est aussi factuel. Hein, c'est la première puissance du monde de Draenor. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'ils vont se complaire dans cette arrogance, et même si ça va leur laisser, comme on l'a dit, c'était en moins 2000, là on est en moins 1200, de moins 2000 à moins 1200, il va y avoir de la recherche, du développement, on est vraiment à l'âge d'or où la civilisation Apogide va pouvoir rayonner comme jamais, puisqu'ils vont eh bien, continuer leur recherche, continuer de miner en fait, les différentes régions de la flèche d'Arak, et améliorer leur savoir, améliorer la magie. Et sachant que les Anari et les Scalaxi seront du coup les véritables gardiens du savoir de la civilisation Apogide, relayant les infos que Rukmar, il y a des milliers d'années, leur avait conférées, leur avait données, mais en plus, eh bien, il y a toute une génération d'Arakoa qui a pu transmettre son savoir. Et en l'occurrence, eh bien, justement, le savoir de Rukmar et d'Anzu et leurs propres connaissances sont stockés dans des cristaux minés dans Arak, à savoir les cristaux Apexis ou les cristaux Apogide. Et en touchant un cristal, eh bien, une nouvelle génération d'Arakoa eh bien, peut avoir accès à des connaissances, des émotions et même des souvenirs des générations précédentes. Je vous parlais d'un parallèle Protoss-Arakoa, bah, en fait... C'est les cristaux Kaidarin des Protoss, hein. Cristaux Kaidarin des Protoss avec le savoir des dieux, les Xel'Naga. Surtout que ce qui est assez drôle, c'est que les Arakoa ont été créés par Burning Crusade. Mais ils n'avaient pas beaucoup de lore à l'époque, et c'est vraiment avec World of Draenor qu'ils vont vraiment développer un peu plus le lore. Enfin, ils avaient du lore quand même à BC, mais ils vont reprendre tout le lore de BC et à rajouter des choses à World of Draenor. Et ce qui est rigolo, c'est que en Burning Crusade, qui est sorti donc en 2007, début 2007, fin, qui était prévu fin 2006, eh bien on est en pleine bourre dans la création de StarCraft 2, Wings of Liberty, et à l'époque où World of Draenor sort, hein, 2014, on est en pleine bourre dans la création de Legacy of the Void. Donc à chaque fois qu'il y a eu une extension sur Draenor, eh bien en parallèle, il y avait du développement sur StarCraft. Et du coup, c'est pas étonnant qu'il y ait cette reprise, parce que là, vraiment, c'est... Je veux dire, c'est... Déjà, on a les Templiers Noirs et les Templiers, on a les cristaux Kaidarin pour lier le savoir, les émotions, tout ça, tout ça. C'est quand même... là, le parallèle commence à être très, 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 très gros. Qui chasse et qui tue des êtres qui sont en conscience collective, bon, ça commence à faire vraiment beaucoup. Mais après, les Arakoa restent intéressants. Mais globalement, si on est intéressé par les Arakoa, intéressez-vous à StarCraft, parce que les Protoss, c'est génial. Et au final, eh bien... Les Anari vont justement bien perpétuer les cultes et perpétuer l'héritage de Rukmar en construisant notamment des temples du soleil. Le souffle de Rukmar, l'arme qui est la super arme qui a été utilisée, qui fait très étoile noire. Mais pour le coup, c'est pas un délire de mauvaise technologie, puisque un cristal qui canalise les lumières du soleil
On a vu ça dans l'Antiquité avec les miroirs géants afin de brûler des flottes de bateaux, etc. C'est quelque chose de plutôt ingénieux, de plutôt intelligent. Et là-dessus, je trouve que l'effet technologique. Il y a un énorme parallèle avec l'étoile noire de Star Wars, mais je trouve qu'il est assez bien maquillé pour pas qu'on se dise Ah, c'est Star Wars, j'ai reconnu. Donc c'est assez bien fait. Et en plus, en l'occurrence, il va y avoir une sorte de divination. En fait, on a déjà Rukmar qui est la déesse du soleil, la déesse principale de la civilisation Apexis. Mais en plus de ça, eh bien, les Apogides vont commencer à révérer le souffle de Rukmar, l'arme elle-même en fait, comme une espèce de représentation d'avatar de Rukmar. Et ça c'est intéressant parce qu'on va avoir un véritable temple dans le souffle de enfin autour du souffle de Rukmar et qui donc il va y avoir d'immenses cérémonies chaque année, même pas que chaque année, mais chaque année qui vont eh bien commémorer la victoire sur le Lassie et la victoire de Rukmar sur les primordiaux. Et ça c'est intéressant parce que à côté, on va avoir aussi d'autres temples à la gloire d'Anzu, au pied de la flèche notamment, qui vont rappeler le sacrifice des Scalaxies qui ont pu permettre de désactiver l'armée Botany. Et ça, c'est intéressant parce que petit à petit, eh bien, il va y avoir, avec le temps, on parle de moins 2000 à moins 1200, avec le temps, eh bien, il va commencer à y avoir une fracture dans la société Arakoa, chacun très arrogant, considérant que c'est eux qui sont à l'origine de la victoire, notamment surtout. Les Anari, hein, les prêtres de Rukmar, qui ont un petit peu aussi hérité hein, de l'arrogance de la déesse, eh bien, vous commencez à dédaigner, à prendre de haut les Scalaxies, se considérant comme les vrais artisans de la victoire des Arakoa. Et donc, c'est leur arme, leur énergie qui a assuré la victoire finale, sans prendre en compte que, eh bien, c'est grâce aux Scalaxies qu'ils ont eu le temps nécessaire pour gagner. C'est vraiment eux qui considèrent que c'est eux qui auront achevé les armées Botany. Donc, c'est eux qui sont responsables de la victoire. Et c'est sans eux, c'était fini. Et leur chef, Veltric, ou Velsric, hein, vous prononcez comme vous voulez, va ordonner justement la saisie des cristaux Apogides, puisque le savoir c'est le pouvoir, et si les Scalaxies n'ont plus accès aux cristaux Apogides, eh bien à ce moment-là les Anari deviendraient les véritables maîtres de la civilisation Arakoa. Il va les stocker dans les temples de Rukmar, et à l'inverse, eh bien le chef des Scalaxies, Salavas, le seigneur sorcier Scalaxie, estime justement, ou estimer que la connaissance était un droit fondamental pour les Arakoa, et il va demander la libération des cristaux. Il va ordonner la libération des cristaux, sauf que Velsric va l'ignorer, et au final, eh bien, pour lui, hein, encore une fois, les Anari étant les maîtres à ses yeux, hein, les enfants directs de la déesse principale, eh bien, il refuse de céder un pouce de terrain, ce qui fait qu'on va avoir une véritable escalade de violence et de montée de la tension en fait hein, entre les Scalaxies et les Anari. Et au final, Salavas est bien conscient qu'à terme, s'il concède à Velsric s'il lui concède les cristaux Apogides, et eh bien à terme, il condamnerait tous les Scalaxies à devenir des esclaves des Anari. Et il sait que ce n'est pas possible, on ne peut pas faire ça. La civilisation Apexis Apogide a toujours été sur un pied d'égalité, donc on ne peut pas. Et au final, eh bien, il va y avoir une véritable montée en une escalade de violence qui va aboutir à une bataille générale. Il faut vraiment imaginer une sorte de Saint-Barthélemy où la civilisation Apexis va se retourner. Chacun, vraiment 50% de la population qui se retourne contre le reste de la population. Et on va avoir des batailles un peu partout sur l'immense flèche d'Arrak, à tous les niveaux, entre les différents Apogides. Et finalement, eh bien, la bataille va carrément éclater jusqu'aux portes du Temple du Soleil. Hein, partout dans la flèche, et c'est une véritable guerre civile à ce moment-là. Et les Anari vont vouloir carrément à utiliser la super arme, utiliser le souffle de Rukmar contre les Scalaxies. Et face à ça, eh bien, Salavas est conscient que c'est juste la chute des Scalaxies et que ce sera la fin des Scalaxies. Donc lui et ses gardes sorciers vont infiltrer la flèche, arriver tout au sommet afin de saboter la super arme, afin de saboter le souffle de Rukmar. Il va tisser un sort pour. Enfin, ce qu'il compte faire, c'est utiliser un sort pour déstabiliser l'arme et comme ça, eh bien, potentiellement faire en sorte que l'arme soit inutilisable. Le problème, c'est qu'ils vont quand même. Les Anari vont quand même activer la flèche. L'arme sera activée et sera activée malgré tout, malgré les alertes et malgré les condamnations malheureusement que enfin, Velsric va complètement rester ignorant et ne va continuer jusqu'au bout à vouloir utiliser le souffle du Rukmar malgré les avertissements de Salavas. Et finalement, eh bien, l'arme sera activée et c'est une tragédie qui s'ensuit puisque
une véritable explosion cataclysmique, hein. Le souffle de Rukmar se brise et il y a une sorte d'explosion en fait, hein. Faut imaginer une sorte d'explosion nucléaire, hein, dans l'idée, hein, vraiment, hein, une explosion gigantesque qui va briser l'immense flèche en une multitude, et c'est à partir de là qu'on est passé de la flèche d'Arak aux flèches d'Arak, au pluriel, les flèches d'Arak, puisque une multitude, enfin l'immense pic va se fracasser en plein d'endroits, et donc il va y avoir plusieurs flèches à la place, qui sont les vestiges de cette explosion cataclysmique. Et ça va créer une sorte d'hiver nucléaire en fait, où il va y avoir vraiment le ciel sera obscurci par les nuages, le souffle de l'explosion. Et au final, c'est à ce moment-là qu'on a véritablement la fin de la civilisation Apogée, la fin de la civilisation Apexis, puisque les Arakoa vont émigrer un peu partout sur Draenor, essayant de... Mais eux-mêmes, bien sûr, n'étant pas conscients que c'est la fin de la civilisation Apogée, nous on peut le savoir a posteriori, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, faut imaginer qu'eux, ils essayent de reconstruire sur les ruines, et de nombreux, notamment les Descalaxi, mais même les Anari, vont se disperser, puisque bah, globalement, c'est un hiver nucléaire, donc c'est une sorte d'hiver nucléaire, donc compliqué de vivre autour des flèches d'Arak, et donc, eh bien, ils vont partir un petit peu partout sur Draenor, installer des colonies et essayer de reconstruire la société Apogée. Et 200 ans plus tard, il y aura notamment de petits conclaves qui sont les reliquats de l'ordre de Skalax, qui continuent de parcourir le continent à la recherche de savoir et de connaissances afin de rebâtir la société Apogée, espérant un renouveau pour les Apexis. Et ils vont être notamment très intrigués par un peuple de briseurs, les descendants des colosses, les ogres. Ce sera le futur sujet de la prochaine vidéo des annexes et de l'origine de Draenor. On parlera donc de l'Empire Gorien et ça, et notamment aussi les liens qu'ils entretiennent avec les Arakoa. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus dans le Nexus. Oui, bonjour. Alors, je suis le dieu Seth. Et bon, alors là, j'ai pris l'apparence d'un cheval. Bon, voilà, on prend l'apparence qu'on peut. Alors, beaucoup de mal a été dit sur mon cas pendant cette vidéo. Je suis... Bah, en fait, c'est vrai, je suis quand même un sacré connard. Mais bon, j'ai des circonstances atténuantes, non? Non? Oubliez pas de suivre les réseaux sociaux, hein. Ça soutient la chaîne, tout ça, le like, le commentaire aussi. Merci, bisous.